Allure prono pour Remco Evenepoel. Il est dans le dur là-bas, Carapaz. Ah, il y en a quelques-uns qui sont dans le dur. Hein. Dans tous les cas, derrière. Roglic va essayer de contrer peut-être aussi. Bah, je crois que c'est. C'est ce qu'il est en train de faire. Ouais, c'est pas vraiment une attaque puissante. Non. Il reste plutôt là. Dans la gestion, hein. Primoz Roglic. Hein. Allez, Hindley qui est toujours là, semble-t-il, dans la roue de Richard Carapaz. Mais voilà, des coureurs vont. On perdra du temps aujourd'hui. Hein. Kenny Ellison en difficulté. Regardez ce dossard 121. Les années passent. Peut-être l'année trop là pour Alejandro Valverde. Difficile ce Tour d'Espagne. Ah, puis c'est pas ses conditions météo. Hein. Ah, il aime pas la pluie. Alejandro, il aime pas ça. Et notre maillot rouge. Timon Arensman là. En difficulté. David Evillé là qui avait tenté. Là c'est Timen. On ne voit pas Rudy. Où est Rudy? Est-ce qu'il est encore dans le groupe, Rudy Mollard? Ça continue d'accélérer. Remco qui est à son rythme. Ben O'Connor qui est en train d'exploser. Regardez, il a fait un écart. Sivakov obligé de se mettre en danseuse là pour reprendre la roue d'Henrik Maas. Mais là, il fait mal à tout le monde. Il est en train de faire exploser tout le monde. O'Connor explose. Samuel Yates s'accroche. Et derrière, on voit les Emiretti au train un peu à la Almeida. Almeida, il n'aime pas ses attaques. Des grosses attaques au pied du col, au train. João Almeida va essayer de rentrer avec un équipier. Et Maas, c'est très fort. Hein. Il nous avait déjà impressionné lors du final musclé, le jour de la victoire de Roglic. Il avait pris la troisième place. Et voilà, Carapaz, il Carapaz est seul. Carapaz lâché. Sepkus également lâché. Gino Madère en difficulté. Oh, c'est Buitrago, peut-être qu'il. C'est Buitrago là ? Ouais, c'est Buitrago. Ah, c'est Buitrago, pardon. Qui était sorti, qui avait anticipé tout à l'heure. Rigoberto Urán hein, également qui est lâché, qui est dans ce groupe. Et Primož Roglič qui a reculé. Alors est-ce qu'il est à la rupture ? Il est derrière Pavel Sivakov, mais peut-être petit coup de ménage là de Remco Evenepoel. Il n'est pas à fond. Ils sont plus 4. C'est ça. Il me semble que c'est Simon Yates là qui découpe cette nappe de brouillard derrière. Evenepoel, Henrik Maas, Pavel Sivakov, Roglič et Yates qui essaye de se raccrocher. 49 secondes encore à reprendre. Jevine qui n'est plus qu'à 24 secondes de Marc Padoun. Ça coince devant pour l'Ukrainien. Il est en train de faire sauter tout le monde, Remco Evenepoel. Pavel ne peut plus. Roglic ne peut plus. Il n'y reste plus que Henrik Maas. Au train. Au train, il est en train de les user un par un. Incroyable. C'est pas une grosse attaque. Il a accéléré, mais voilà, il monte au train. Un train vraiment soutenu, certes. Mais il va tous les écœurer dès la première étape de montagne. Mais pourquoi faire des tactiques finalement? Tu le mets en bas, il accélère, il lâche tout le monde. C'est ce qu'on avait prévu hein, chez Quickstep Alpha Vinyl. On a demandé à Masnada, Julien Alaphilippe de bien vous déposer au pied. Et puis après, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Roglic est lâché. Le triple tenant de la Vuelta ira lâché. Il ne peut pas suivre Remco, il ne peut pas suivre Henrik Maas.